Bonjour les amis du groupe Vivre et Investir en Espagne. Donc rendez-vous pour ce soir pour le live. Ça y est, il est 19h. Donc j'attends que des personnes se connectent sur le groupe, sur le live. Voilà. Deux personnes pour le moment. On va patienter un petit peu. Six personnes. Bon, j'ai des problèmes de connexion avec mon internet, la Wi-Fi, je pense. Pourtant, j'ai tout préparé, mais là, j'ai l'impression que 19h, c'est une heure où il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Donc, le niveau de connexion va se ressentir, je pense. Alors, attendez, je me connecte sur le groupe. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et est-ce que vous m'entendez? Likez sur le groupe pour dire que c'est bon. Alors, attendez. Tac, tac. Faites participer. Ouais. Alors, 12 personnes, 13 personnes, c'est bon, ça arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Onze personnes, et il y a une personne qui s'est déconnectée. Ah, Patricia, bonsoir. Alors, actualiser la page. Oui, j'ai des gros problèmes de connexion. Pourtant, je suis en Gironde, sur le bassin d'Arcachon, mais là, j'ai l'impression que, enfin, le téléphone, ça va, mais c'est l'ordinateur. Voilà, là, j'essaie de me connecter. Est-ce que c'est bon, Raphaël, Ovis? Bonsoir Nathalie, bonsoir Nathalie, Philippe Guénon, Nathalie Armand, Chris de Belgique, très bien. Raphaël, Patricia, qui adore la Costa del Sol. Donc on va voir tout ça. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Ça fonctionne bien. Bonsoir José, très bien. Bon, alors, je vais vous dire un petit peu le programme de la soirée. Alors, tac, 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 voilà, ça c'est ça, je ferme les trucs, donde está esto, voilà, dans le programme, le live c'était ce soir, 19h, heure française et 13h, heure Canada, parce que nous avons des Canadiens également, hein. Donc, comment se comporte le marché immobilier de la Costa del Sol? On va aussi bien parler de la vente que de la location. On va faire un panorama des villes de la Costa del Sol pour acheter, investir, vivre et éventuellement prendre sa retraite sur place. On va commencer à parler de la Costa del Sol Norte, c'est-à-dire la partie ouest de Malaga, une belle région pour moi, l'Andalousie authentique, la Jarquía. C'est Caleta de Velez, Torrox, Nerja, Frigiliana, et voilà le petit village, comme si on se dirigeait vers Almeria, vers Salobreña. Voilà. Là, par contre, on l'attaquera pas parce que c'est la Costa Tropicale. Ensuite, on fera
un bon focus sur la ville de Malaga avec les quartiers résidentiels, les bons quartiers pour y vivre et pour acheter, pour investir également. Et ensuite, on parlera de la Costa del Sol Sud, Malaga, Mijas, Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Marbella, voilà, et un petit aparté sur Soto Grande, mais là, par contre, ça fait partie de la province de Cadix. Voilà. Et ensuite, en dernière partie, rapidement, mes services et formules d'accompagnement, aussi bien la formule 1, 2 et 3, avec une promotion pour ceux qui regarderont le live jusqu'à la fin et qui se seront inscrits sur le formulaire. Vous aurez un guide complet de tout ce que je viens de vous dire, de tout ce qu'il va y avoir sur le live, très complet, avec des fiches, des détails de chaque ville, chaque station. Et également une consultation téléphonique gratuite pendant 30 minutes pour répondre à vos questions. Voilà, ça vous va pour le programme de la soirée? Bon, je vais vous afficher en lien le questionnaire. Voilà. Tac, tac. Voilà. Bon, nous sommes 18. 18 personnes. 21 personnes. Bon, on va voir si on arrive à franchir le cap des 50. Ce serait bien. Voilà. C'est une région qui est en plein essor, la Costa del Sol, notamment Malaga, qui est en plein développement. Voilà. Et qui n'arrête pas de bouger. Voilà. Philippe, c'est bien. Ça fonctionne bien. Très bien. Il est 19h09, on attend encore 2-3 minutes qu'on puisse arriver jusqu'à 25. Voilà. Oui, il y a des coupures, mais ça va. Chris qui dit. Ah. Ben oui, c'est le téléphone, hein, c'est le Internet, il y a de plus en plus de monde. Pourtant, j'ai la fibre et tout là, ici, mais bon. Voilà. Le prochain, bon là pour le moment j'ai ce live sur la Costa del Sol. Je suis en train de préparer le prochain qui sera sur la Costa Blanca, du côté de Costa Blanca très large. Je vais parler également de Valencia, Valencia, Alicante, toutes les villes qu'il y a autour, avant, entre Valence et Alicante, et en dessous d'Alicante en allant sur Murcia. Ça va intéresser beaucoup de monde. Et en troisième live, ce sera sur la région de la Catalogne, Costa Brava, essentiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de demandes. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que j'ai mis un petit truc là. Attendez, je fais une petite installation, vous allez voir. Hop. Oh là, mon visage devient plus clair. Est-ce que ça va ou est-ce que je l'enlève? Dites-moi. On voit bien. Nathalie et Séville. Oui, non, Séville, non. Séville, ça fait partie de l'Andalousie. Je ferai justement un live concernant Séville, Cordoue, Cadix, Huelva, Jaén, toutes les villes, Cordoba, toutes les villes de l'intérieur des terres. Là, pour le moment, on se cantonne sur la Costa, sur les côtes. Marc, bonsoir. Oui, donc là, est-ce que vous préférez me voir comme ça ou comme ça? Attendez. Non, là, c'est sombre. La petite lumière. La lumière. Voilà. Bon, je vais mettre la lumière. Je vais essayer de vous regarder en face aussi. On vous voit bien, on vous entend bien. Très bien. Bon, là, nous sommes 27. 27. Bon, on va commencer. Alors. On va parler de la partie Costa del Sol orientale. Orientale, donc, pour ceux qui connaissent, c'est la région de la Jarquía. Jarquía. La Jarquía malagueña, la capitale, est Vélez Málaga, la première ville juste après Málaga.
Altitude de 2000 mètres au niveau de la mer, un paysage de vignes et d'oliviers. Sur le littoral, la Sierra se précipite vers la mer. La région offre aux voyageurs un large éventail de routes alternatives. Bon, vous avez plusieurs routes touristiques. La route du soleil de l'avocat, del sol y de l'abogado, de l'avocat, bon. À travers les communes de Marefera, Rincón, Vitoria, Isnate, Vélez, Málaga, Benamoraca, Benalmargosa. La route du soleil et du vent et du vin, qui traverse les localités d'Algarrobo, Sayalonga, Canilla, Competa, Torrox, Nerja, Frigeliana. Très joli village. Un des plus beaux villages d'Andalousie, voire même d'Espagne. La route du raisin sec, qui passe par Totalán, Molinejo, Almachar, El Boje y Comares. Et ensuite, la route de l'huile et des montagnes, qui traverse les villages de Colmenar, Alfanerto, Alfamar, Periana, Viñuela de la Cocina. Bon, là, tout ceci, ce sont des villages à l'intérieur des terres de l'Aljarquía, où on trouvera beaucoup de maisons rurales, ou à des tarifs très intéressants. Par contre, il faut se retirer des terres entre 15 à 20 kilomètres. Et ça, c'est le côté de l'Aljarquía. Bon, je vais quand même parler principalement Stéphanie veut participer à la vidéo. Non, il faut qu'elle regarde. Je vais parler des principales villes qui sont installées sur la côte, à savoir Rincón de la Victoria, Benajarafe, Torre del Mar, Vélez, Málaga, Torrox, Nerja, Frigiliana. Voilà. Donc, toute la partie orientale, la Jarquilla. Alors, n'hésitez pas à inscrire vos données sur le formulaire que j'ai mis là sur en lien. Toutes les personnes qui ont inscrit toutes leurs données recevront une documentation très complète et très visuelle de tous les détails que je vais annoncer là. Sachant que j'ai également je suis en train de faire des partenariats avec des personnes qui présentent des intérêts communs, voilà, avec d'autres groupes également sur Facebook, avec qui je suis en symbiose et avec qui on partage les mêmes valeurs. Voilà. D'ailleurs, beaucoup doivent connaître d'autres groupes qui sont basés sur spécial axé sur l'Andalousie. Sur l'Andalousie, vous avez, il y a des groupes. Bon, c'est Nadine qui organise ça, qui est très bien. C'est les amoureux de l'Andalousie. Voilà. Ensuite, il y a un groupe généraliste. C'est Belle Espagne, géré par Ricardo et Maïna, qui sont très bien aussi, mais c'est beaucoup de paysages, d'anecdotes assez intéressantes. Je suppose que vous devez en faire partie. Voilà. Donc, on débute sur la ville de l'Aljarquía, sachant que la prochaine fois, je ferai un live sur YouTube, parce que c'est quand même plus intéressant de partager des documents. Parce que là, comme je le fais sur un portable, j'ai pas la possibilité de partager les documents dont je vais parler, vous voyez. Et c'est dommage parce que vous n'aurez pas la carte. Donc, par contre, cette carte figurera sur le document que je vais vous remettre à la fin. Alors, on va parler Malaga. Malaga, c'est la capitale de la Costa del Sol, la plus grande ville. On arrive à peu près à 600 000 habitants, hein. Mais on en parlera ensuite avant d'aller sur la Costa occidentale. Donc là, c'est la côte orientale. Donc pour moi, c'est la plus authentique, la plus sauvage, je dirais. Donc, et là, on se dirige vers Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria, c'est une commune, la province de Malaga. Voilà. On est à 12 kilomètres de la ville. Et vous avez à peu près 50 000 habitants. Voilà, sur le document, j'ai également fait un lien sur le site officiel d'Andalousie et sur d'autres informations. Alors, je vais vous annoncer également les prix moyens construction. Mètre carré, precio metro cuadrado, moyen, 2439 euros, ceci en août 2023. Août 2023. Écoutez-moi bien, par rapport à 2022, août 2022, il y a eu une hausse dans cette région de 12,8%. C'est énorme, pourquoi? Parce que elle était encore quelque part délaissée
Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de demandes du côté occidental que du côté oriental. Mais ça va, les différences vont bientôt changer parce qu'il y a énormément de clientèle nordique qui s'y intéresse. Ce qu'il y a, comme c'est plus sauvage, ça c'est assez demandé. Donc, Rincón de la Victoria. Alors ensuite, on va parler de petite ville très sympathique, Benajarafe. Autour, ça fait partie, c'est sur le bord de mer, ça fait partie de la municipalité de Vélez Malaga. Voilà. Vélez Malaga, qui est le deuxième chef-lieu après Malaga, hein, qui est vraiment au cœur de la Xarquilla, une région située sur la Costa del Sol orientale, située à 9 km de Torre del Mar, qui vient juste après, et là vous serez à 20 km de la capitale provinciale de Malaga. Et là, nous arrivons également à un prix un peu similaire à Rincón de la Victoria. Nous sommes à 2 420 €, 2 419 exactement. Et écoutez-moi bien, ça c'était en août 2023. Depuis l'année dernière, cette station a pris une hausse de 21,9%, dont pratiquement 22%. Là aussi, j'ai mis un lien sur Idealista avec information du quartier, de la ville et de quartier qui s'y réfèrent. Ensuite, on arrive à une petite ville très sympa où les plages sont assez intéressantes. Une petite ville de 22 000 habitants qui s'appelle Torre del Mar. Torre del Mar, toujours pareil, ça fait partie de la commune de Vélez Malaga. Voilà. Seconde commune à ville de la municipalité de Vélez Malaga en nombre d'habitants. Il s'agit d'une grande ville touristique. Donc, toutes ces villes, pour faire du Airbnb, c'est excellent. Torre del Mar se caractérise par la qualité d'environnement, l'étendue de ses magnifiques plages, ainsi que pour la promenade maritime. Voilà. Nombreux visiteurs qui habitent dans la localité. Voilà. Enclave touristique, commerciale, de loisirs, offre culinaire. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que vous êtes relativement proche de Malaga, de la capitale qui se trouve à 20 km. Là aussi, toujours pareil, j'ai fait un lien pour le site officiel. Voilà. Et là, nous arrivons. Toutes ces villes sont situées à peu près au même tarif. Hein. Là, on arrive à 2 418 prix du mètre carré au mois d'août. Et là, il y a une hausse de 8,8%. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà, ça, les tarifs restent raisonnables. Voilà. Ensuite, on parle plus à l'intérieur des terres. Très agréable ville aussi, mais on s'éloigne un peu du bord de mer. On arrive à Vélez Malaga. Vélez Malaga, c'est la grande ville. Vous êtes à 35 km de Malaga. Voilà. Et c'est une ville quand même qui a 84 000 habitants. Donc, il y a tout ce qu'il faut, hôpitaux, services, commerces. Là, dans ces villes-là, on se sent vraiment en Espagne. On n'a pas l'influence, le concept étranger qu'on peut retrouver sur les côtes, où on trouve parfois, dans certaines stations, beaucoup plus d'étrangers que de locaux. Et là, écoutez-moi bien, les tarifs sont très intéressants. Vélez Malaga, mais ça va pas durer. On trouve une moyenne, c'est à peu près, ça se vend à 1 290 € du mètre carré. Voilà, il y a eu une hausse depuis l'année dernière de 7,8%, à peu près 8%. Là aussi, j'ai fait un lien sur les différents quartiers, ceux qui sont intéressants, ceux qu'il faut mettre de côté, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on est un peu à l'intérieur des terres. Donc là, vous êtes à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres par rapport aux plages. Voilà, Vélez Malaga étant la deuxième ville après Malaga. Elle possède 25 km de côte maritime. Voilà, tout va bien là pour le moment? Vous suivez? Voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. D'accord? À propos, pour que je sache, mettez-moi dans les commentaires d'où me regardez-vous? De quelle ville en France, en Belgique, Suisse et Canada vous me regardez? Attendez. Hop. Voilà.
Du côté de Nerja, oui, on va parler Nerja. Bon, super, Strasbourg, Perpignan. Ah, je suis un ancien Perpignanais. Donc je connais bien. Liège, c'est la Belgique. Annecy. Comme ça me permettra de voir qu'est-ce qu'il y a une majorité de Français, enfin francophones essentiellement, mais de Belges. Je trouve que la clientèle belge est très réceptive et elle aime bien mes accompagnements. Cette année, justement, pour finir le trimestre, j'ai plus de Belges que de Français. C'est étonnant. Français toujours un peu méfiant. Mais bon, ça va venir. Montréal, ah, très bien, Emmanuel Lara. Chimay, la bière, oui, Chris. Vous êtes en Belgique. Bruxelles, Montréal, Canada. Ah, très bien. Bordeaux, hein, Aubin-Antony. Mais bon, je suis sur le bassin d'Arcachon. Sachez que je suis encore ici sur la région en Gironde pour 2 semaines. Ensuite, je repars en Andalousie. Donc, si vous voulez faire des rendez-vous en présentiel physique sur la Gironde, je serai disponible. Voilà. Bon, et je dois voir certaines personnes aussi en Espagne, comme Chris et ainsi de suite. Voilà. Rebec, c'est où ça, Rebec? C'est une commune du nord de la France, non? Je crois. Je vous regarde de Montréal. Waouh! Les Canadiens sont en force. Bon, sachez que cette vidéo, elle va être enregistrée sur le canal du groupe, mais elle sera également enregistrée sur la chaîne YouTube, dont elle sera bien référencée avec le titre et tout, donc vous n'aurez pas de problème à la retrouver. Ce sera plus simple pour vous. Donc moi, je vous incite et vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube, où vous voyez voir beaucoup de live. Pourquoi? Parce que la chaîne YouTube, c'est vraiment axé sur les lives, et on peut également partager les documents, chose que je ne peux pas faire avec le portable sur le live de Facebook. Ou alors, il faudra le faire sur une adresse Zoom, sur une plateforme Zoom. Tout va bien pour le moment? Impatient de te rencontrer. Oui, très bien. Je vous rappelle de l'Hérault 34. Ah, ancien. Je connais très bien l'Hérault. J'ai fait mes études d'architecte à Montpellier, plan des quatre seigneurs. Donc, je faisais tout le temps la navette Perpignan-Montpellier. Voilà. Pierre-Laurent aussi. Ah, Montpellier, tiens. Très bien. 34. Voilà, c'est une belle région aussi, le Languedoc-Roussillon. J'ai fait mes études de prix bâtiment, maîtreur en bâtiment, pour ceux qui savent, c'est ce qu'on appelle en français économiste, dans la région de Nîmes, au lycée d'Yoda. J'en ai de très bons souvenirs. Voilà, ensuite, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Bon, voilà, je suis à l'initiative de ce groupe, Vivre et Investir en Espagne. J'ai déjà accompagné plusieurs clients du groupe et hors groupe. Avant d'avoir le groupe sur Facebook, j'avais une centrale de réservation installée sur Mérignac avec une vingtaine de personnes. J'avais la plus grosse centrale de réservation. J'envoyais en Espagne à peu près entre 20 et 25 000 familles sur tout le littoral espagnol. Costa Brava, Costa Dorada, Costa de la Sahara, Costa Blanca, Costa Cálida, Costa del Sol, Costa de la Luz. Le nord également, Bilbao, Pays Vasco, Costa Cantabria, Costa d'Asturias, Galicia, voilà, et tout, et bien sûr toutes les villes de l'intérieur, l'Andalousie notamment et la Catalogne à l'intérieur des terres. J'ai fait les études d'archi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à l'UPA, Unité Pédagogique d'Architecture à Montpellier, 3 cycles de 2 ans. Et j'ai fait une formation et j'ai homologué mon diplôme en Espagne, à l'Escuela de Arquitectura d'Arquitecto en Alicante. Et là, j'ai fait 2 ans, mais ils m'ont donné simplement le titre d'architecto tecnico. Voilà, il fallait que je fasse 2 ans de plus pour avoir le cursus réel. Par contre, j'ai également fait en parallèle une formation de perito judicial, c'est-à-dire c'est au niveau des expertises, donc c'est pour ça que je suis expert immobilier. Quand il y a des litiges ou autres, je suis à même de relever les erreurs
et de constater, c'est pour ça que mes homologues espagnols, notamment les agences immobilières, me craignent parce que je ne laisse rien passer. Croyez-moi, je vois tellement de malfaçons qui sont faites et d'ailleurs, c'est bon, je déborde un petit peu sur sur le live là, pour un post que j'ai mis, de faire très attention. Je l'ai vu cet été, du moins à la rentrée, en septembre, énormément de gens se sont fait avoir. Pourquoi? Parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, juste après le Covid, une ribambelle d'agents, de nouveaux agents, notamment de réseaux qui se sont implantés en Espagne et ils ne connaissent strictement rien à la réglementation française, à la réglementation espagnole juridique. Donc, il y a des problèmes. La différence, c'est qu'en France, ces réseaux existent. Je ne veux pas les nommer, il y en a plusieurs. C'est que le notaire fait les vérifications. En Espagne, ce n'est pas le cas. Donc, l'erreur, c'est à vous à la trouver et à bien vérifier. Pourquoi? Ce sont des bons vendeurs, certes, mais au niveau technique, nada, pamplina, pito y flauta, comme je le dis souvent. Et malheureusement, les Français, que font-ils? Délaissent les agences espagnoles qui ont pignon sur rue et vont se dirigent vers ces pseudo-agents français, certes, parlent bien français, mais peuvent vous poser des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas posé les questions assez ouvertement et ils ne maîtrisent, bon, il faut dire ce qui est, ils ne maîtrisent pas le système juridique urbanistique espagnol. Et croyez-moi, la chose est encore plus corsée. Pourquoi? Parce que chaque région a ses propres lois. Vous avez 17 régions en Espagne, 17, ce qu'on appelle, enfin les régions, c'est les comunidades autonomes, comunidades de Catalunya, Comunidad Valenciana, Comunidad Andaluza, Comunidad de Madrid, Comunidad Cantabria, Comunidad de los Islas Baleares, Comunidad Islas Canarias. Donc chaque région a ses spécificités. C'est un sac de nœuds, croyez-moi. Donc, et moi je suis vraiment navré pour certaines personnes qui font confiance à ces gens-là. Certains, c'est quand même des économies de toute une vie, se confie à des gens qui n'ont aucune compétence et malheureusement se font avoir. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, très bien, je vais continuer dans le cursus des villes. Ça vous va pour le moment? Tout va bien? Bon. Alors là, c'est un live sur la Costa del Sol et j'ai eu une personne qui me dit, j'aimerais écouter la Costa Brava. J'adore la Costa Brava. Bon, ça sera l'objet d'un prochain live. Ne vous inquiétez pas. Ben, justement, j'en profite. Marquez-moi dans les commentaires les villes pour le moment qui vous intéressent sur la Costa del Sol. Et par la suite, en deuxième question, les villes qui vous intéressent pour le prochain live. Bon, sachant que je vais faire en priorité le live sur la Costa Blanca, comme j'avais dit, et en troisième lieu, la Costa Brava. Voilà. Oui, de beaux parleurs sans les connaissances. Absolument, Chris. Mais bon, non, certains, bon, attention, faut pas non plus casser la pierre, si on peut dire. Il y a des gens qui s'informent, ils se mettent, bon, ils essayent d'avoir un sérieux parce que le problème, c'est simple, quand on n'a pas de connaissances, ben, on fait un peu n'importe quoi, quoi. Voilà. Sachant que la législation dans ce sens est en train de changer, la Catalogne est en train d'appliquer des mesures très concrètes avec une formation d'agent immobilier, avec des cursus, des cours au niveau juridique et urbanistique, ainsi que la Comunidad Valenciana. Par contre, rien pour les autres régions. Bonsoir Mireille. Une cliente qui a acheté sur la Costa de la Luz et non pas Costa del Sol. Bon, vous avez bien fait. Bon, Nerja, San José, Tabernas. Non, San José, là, on se dirige vers Almeria. Bon, j'arrête de lire les commentaires. Je vais continuer à. Bon, nous étions. Quelle est la dernière ville? J'ai parlé là. C'était Vélez Malaga, voilà, prix compétitif, comme je disais, municipalité
municipalité andalouse de la province de Malaga, la Jarquilla, c'est la côte orientale. On est à 85 000 habitants et prix compétitif, l'immobilier est à 1290 euros. Donc là, il y a une augmentation par rapport à l'année dernière de 8%. Ensuite, on arrive à un petit village sympa qui se nomme Torox. Torox. Alors, vous avez Torox Ciudad, Torox Pueblo et Torox Playa. Voilà. Vous avez 9 kilomètres de beau littoral tout au long, des superbes plages. Par contre, avec drapeau bleu. Par contre, attention, ces plages sont quand même avec de la gravette et du sable noir. Il faut faire, voilà, c'est la particularité de toutes ces plages de la Costa del Sol. Rares sont les plages de sable fin ou sable blanc. Là, on les trouve beaucoup plus du côté de la Costa de la Luz. Donc, tout au long de Torox, vous pouvez découvrir des criques magnifiques aussi, des enclaves naturelles. Vous avez des plages de Peñoncillo, la Calasete, la plage de Masagombo et celle de Vilcher. Tout ceci concerne la ville de Torox. Voilà. Nous sommes à 46 km de Malaga. Donc, vous voyez, donc là, on s'éloigne. Alors, quelque part, il y a déjà un phénomène, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de la capitale, plus les tarifs sont raisonnables. À une exception près, Nerja. Bon, Torox a quand même 20 000 habitants, dont petite ville, une station. Ce sont des stations qui vivent toute l'année. Sachant que la haute saison, bien sûr, juillet-août, c'est là où il y a le plus de monde. Et pour les activités, vous devrez peut-être ou aller soit à Vélez, soit Vélez Malaga, soit Malaga la capitale. Voilà. Pour Torox, là, on tombe un tarif un peu plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de Nerja. Nous sommes à 2324 euros du mètre carré. Voilà. Par rapport à l'année dernière, il y a eu une hausse de 9%. Enfin, exactement 8,9. Voilà. Certaines personnes connaissent Torox. Alors, par contre, toutes ces villes-là, Torox, l'arrière-pays est très, très chouette. Là, vous avez des fincas rustica, des chalets, et vous avez à l'intérieur des terres, deux petites villes magnifiques, qui se surnomment Competa et Frigiliana, un des plus beaux villages d'Espagne. Pas très loin, de Nerja également. Vous avez le triangle. Torox, Competa, Frigiliana et Nerja. Dans ce cercle, vous aurez beaucoup de maisons style campagne, ce qu'on appelle en Espagne chalet, casa rústica. Attention, elles ont été construites la plupart sans permis de construire. Donc, faut faire attention, faut demander qu'elles soient à jour de permis, qu'elles ont été légalisées. Et pour ceci, il y a une procédure qui s'appelle en Espagne el DAFO. Sur la Costa del Sol, c'est AFO, et dans cette région, Costa del Sol, c'est ce qu'on appelle le DAFO. Le DAFO, c'est une mesure, un processus qui vous permet de légaliser votre maison, mais là, il faut faire intervenir un architecte, c'est-à-dire, il refait passer un permis de construire. C'est un bon moyen, si la maison n'est pas conforme, de faire négocier les prix, de pouvoir négocier les prix. Pourquoi? Parce que la maison est illégale, simplement. Si vous ne faites pas les démarches pour la rendre légale, vous pouvez avoir des problèmes parce que elle ne figurera pas sur le cadastre. Voilà. Et vous paierez des taxes, certes, pas élevées. Pourquoi? Parce qu'elles sont, les taxes, c'est l'IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles, qui est basé sur la valeur du terrain et non pas sur la valeur construite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de construction dessus. Donc, faudra faire des présentations. Et là, beaucoup de gens ont les yeux qui s'écarquillent quand ils voient des maisons magnifiques du côté de la Jarquilla à des tarifs très intéressants, et pour cause, elles n'ont pas de permis de construire. Attention, on trouve ces maisons du côté sur les sites. Bon, quelques-unes sur Idealista, mais surtout sur les sites étrangers. Pourquoi? Parce que les Britanniques essayent de s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un courrier de l'administration urbanistique de ces communes en disant de se mettre en règle. On leur donne à peu près une dizaine d'années. Mais bien sûr, pour se mettre en règle, ça s'entraîne des frais,
de réhabilitation, de légalisation, contacter un architecte, faire un audit, faire toute une étude, plus mettre en règle ces dossiers, plus faire intervenir les entreprises locales. Voilà. Donc là, je vous dis, c'est un secteur qui est très agréable, la raquille, mais il y a des précautions à prendre au niveau des petites maisons rustiques. Alors souvent, il y avait ce qu'on appelait auparavant beaucoup de casa de apero. C'était les maisons qui servaient pour mettre les outils agricoles dans ces terres rurales, quoi. Voilà. Vous n'aurez pas ce problème-là, bien sûr, si vous investissez dans un appartement. Appartement, il y a d'autres critères à prendre en ligne de compte. Il faut regarder que c'est à la cédula d'habitabilité, certificat d'énergie, que l'immeuble qui a été où il y a les permis qui sont conformes, tout est conformité. Regardez un peu également le règlement de copropriété. Souvent il y a des piscines. Si tout le monde est à jour de ses cotisations au niveau de règlement, enfin au niveau des frais de communauté, parce que souvent vous ne l'aurez pas ça. Donc il faut le demander au notaire, il faut aller au registre de la propriété, et il y a un document spécifique qui s'appelle la nota simple. Voilà, il suffit simplement de... Ce cas, c'est en espagnol. Il faut connaître un peu la langue espagnole. Donc, sur Torrox, je reviens, nombre d'habitants, 20 000 habitants, et nous sommes à 46 km de Malaga capitale. Ensuite, bon, je crois que j'ai parlé également du prix au mètre carré. Sur Torrox, ça reste encore raisonnable, 2 324 € du mètre carré. C'est une moyenne. Il y a eu 8% en fonction de l'année dernière. Il y a une augmentation quand même de 9% depuis août 2023. Et ensuite, nous arrivons à la très très belle ville de Nerja. C'est la ville balnéaire située sur la Costa del Sol, au sud, voilà, avec c'est une belle promenade, avec le fameux balcon d'Europa. Voilà, surmonte un promontoire. En contrebas, on a de magnifiques petites plages. Hein. Il n'y a pas trop de résidences, c'est plutôt des complexes de petites maisonnettes, Tropicana, Capistrano, qui ont été achetées énormément par les Britanniques. Il faut le savoir, ça. Punta Lara, Nueva Nerja, voilà. Et ensuite, en bas, vous avez des petites plages sympas. Carabeo, enfin, il y a plusieurs plages, tout ça vous l'aurez sur la documentation. Là, nous arrivons quand même à une distance de 50 km de Malaga. Voilà. Et on arrive à peu près à 22 000, là ils sont à 22 000 personnes recensées, mais attention, cette station en été dépasse les 100 000 habitants, voire 100, il y a les chiffres. Il faut être réaliste, énormément de Britanniques, de Néerlandais, de francophones qui ont acheté, et c'est une ville qui est très connue parce qu'à l'époque il y avait une série télévisée espagnole, l'équivalent de Plus belle la vie, qui a été tournée à Nerja, c'est Verano Azul, voilà, et qui a fait connaître cette station qui est en plein essor. Voilà. Là, par contre, au niveau du mètre carré, Nerja, écoutez-moi bien, c'est la ville, une des plus chères du coin. 3 226 € du mètre carré. Par rapport à l'année dernière, août 2022, elle a pris une augmentation de 10%. Donc, pour ainsi dire, la Costa del Sol est en plein essor. Moyenne générale entre 10 et 12%. Nous allons voir par la suite les autres côtes, notamment Malaga, il y a des écarts incroyables. Ensuite, on va parler du petit village Frigiliana, commune qui appartient aussi, pareil, la Jerquilla. Magnifique village, beaucoup de Britanniques se sont installés, et là, c'est un petit village qui a que 2 800 habitants, mais très authentique aussi. Comme c'est à l'intérieur des terres, les tarifs sont assez intéressants.
Il faut compter une moyenne de 2491 euros du mètre carré. Et il y a eu une petite augmentation de 3,6%. Par contre, tout ce qui est ville, tout ce qui est villa, vous verrez, c'est très joli. Elles ont été faites par, construites par, à l'époque, beaucoup de Britanniques ont investi. Et ont rénové certaines fincas, chalets. Et là aussi, problème de permis de construire. Faut toujours faire attention. Précaution à prendre. Vous trouverez, de bonnes offres sur des sites comme Quiero, Thinkspain, pourquoi? Parce que ce sont des portails britanniques, internationaux, Greenacre, voilà. Et malheureusement, les Français se font avoir. Voilà pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le vécu, le tracing de toutes ces constructions. Voilà, nous avons à peu près mis en évidence tous ces villages. Bon, certes, il y en a encore d'autres, mais là, je vous ai parlé des principaux. Ensuite, on va parler de Malaga, qui est en plein essor. Attendez. Voilà. El Faro, le mètre carré, en maison, c'est combien? Nelja, j'ai déjà regardé pour acheter, mais nous en discuterons. Très bien. El Faro, Linda, précisez-moi où exactement. Elvira, Marina, ça c'est le côté Costa del Sol, le côté de Estepona, Fuengirola. On va en parler là. Alors, Malaga. Costa del Sol, tac. Bon, on va commencer. Ou alors, on laisse Malaga pour la fin. Voilà. Bon. Je vais parler de Malaga à la fin. Bon, je vais vous donner un petit peu les grandes villes que je vais énoncer. Malaga, population 570 000 personnes, dont on est en train de frôler les 600 000 personnes. Pourquoi? Parce que c'est une station en plein essor. Tout le monde en parle. Cinquième ville d'Espagne. Il y a la future Silicon Valley Technopark qui s'est installée, future Silicon Valley de l'Europe, avec les grandes entreprises. Et on fait venir des ingénieurs, des télétravailleurs, les digital nomades, comme on dit, de l'Europe entière, dont clientèle internationale. Malaga, la moyenne, on est à 3000 euros du mètre carré. Et il y a eu une hausse de 11,7% par rapport à l'année dernière. Attention, c'est une moyenne que je vous donne. Sachant qu'à Malaga, vous avez des quartiers où on est à 4000, 4500 euros, voire 5000 euros du côté de Malagueta, le centre de Malaga. Voilà. Là aussi, j'ai mis un lien avec un informe de prix, c'est-à-dire en fonction des quartiers de Malaga, où vous verrez tous les tarifs au mètre carré. Et alors c'est simple, si vous désirez un appartement deux chambres sur Malaga, ben vous faites à la moyenne, par exemple 70 mètres carrés minimum, 3 x 7, 21, 210 000 euros. Alors je reçois souvent des personnes qui désirent un appartement à Malaga deux chambres vue mer à 40 000, 50 000 euros. Vous pourrez rien trouver à ce prix-là, nada. Désolé. Malaga, c'est devenu une des villes les plus chères, voire même les autres stations ne sont pas compatibles pour ces prix-là. Torremolinos, on parle de Torremolinos, la grande ville touristique. Bon, là, c'est un tourisme de masse, je pourrais dire. Population 67 000 habitants, énormément de buildings, construction verticale. Ce sont des villes comme Benalmadem, comme Fuengirola, à l'époque, Franco, l'ancien dictateur d'Espagne, qui a incité pour le tourisme à bien se développer comme un Benidorm. Voilà. C'est l'équivalent de Torremolinos et Fuengirola, c'est un peu l'équivalent en petite version de Benidorm. Donc, Torremolinos, on arrive à 2700 euros du mètre carré. Il y a eu une hausse, écoutez-moi bien, pourtant c'est Torremolinos, de 14,3%. Bonjour Sergio, bonsoir. Bon Sergio,
un confrère aussi qui est un investisseur avec qui je suis en contact et qui est un franco-espagnol comme moi. Il est basé sur la région bordelaise et il est de Torre del Mar. Donc on est en train de faire une forme de collaboration ensemble. On va pouvoir travailler ensemble. Voilà. À l'ouest, ben, il fait du Airbnb du côté de Torre del Mar, entre avant Torrox, dans la commune de ce qui fait partie de Vélez. Voilà. De l'Airbnb, comme il disait, les prix sont en train de flamber dans le coin. Donc Torremolinos, 67 000 habitants. Comme je disais, je répète, 2 700 euros du mètre carré. Voilà. Bonsoir Greg, comment ça va? Très bien. Lui aussi, Greg, a un groupe qui est très intéressant pour les investisseurs, mais sur, il traite de la partie française. Bon, si vous, je mettrai également le lien de son groupe. On ne sait jamais pour les investisseurs français. Bon, ensuite, après Torremolinos, on parle de Benalmádena. Pour moi, c'est une ville très sympathique et originale. Population 67 000 habitants. Là, on arrive à 2 879 euros du mètre carré. Il y a eu une hausse. Pourquoi? Parce qu'une demande très forte de part de la clientèle britannique de 13,1%. Vous voyez? Alors, Benalmádena est connu pour son port avec toutes ses résidences, avec une connotation un peu paysage des mille et une nuits, avec un armoresque, ainsi de suite, au niveau du port. Ensuite, on trouve Fuengirola. Fuengirola, on arrive à une population de 77 000 habitants. Là, c'est toujours pareil, 3 084 euros du mètre carré. Il y a eu une hausse de 12,2% depuis août 2022. Donc, c'est quand même assez conséquent aussi. Pourquoi? Parce que c'était des stations qui étaient un peu à la traîne et on est quand même relativement proche de Malaga. Ensuite, une ville que j'aime, c'est Mijas. Vous avez le vieux village Mijas Pueblo et Mijas Costa. Bon, connu, l'emblème, c'est le fameux, bon, c'est un cliché, ils ont fait d'ailleurs dans le village, il y a une statue d'un âne. Voilà, vous avez un petit village fleuri qui est très joli aussi. Et ensuite, sur le bord de mer, vous avez ce qu'on appelle la Playa de Mijas et Cala de Mijas, qui est très joli aussi, dû à sa proximité de Marbella aussi et de Malaga. Les prix ont flambé dans cette région de 14%. Voilà, la moyenne était à 2 660 euros, donc. C'est une augmentation qui a été faite en un an. Là aussi, vous aurez une information sur les prix des différents quartiers de Mijas. Ensuite, beaucoup de personnes connaissent la Jet Set. Là où va la Jet Set, sur la Côte del Sol, le Saint-Tropez espagnol, je vais parler de Marbella. Marbella. C'est une des villes les plus chères de la Costa del Sol. Prix moyen, 4 342 euros du mètre carré. Il y a eu une hausse de 13%. Faut le savoir. C'était une ville où vous avez beaucoup d'investisseurs d'Arabie Saoudite qui ont acheté, de Russes, avec des lotissements résidentiels. Il faut savoir que vous avez des villas qui atteignent des sommets astronomiques. 12, 13, 14, 15. Et une des plus chères dernièrement qui s'est vendue dans le lotissement Carmojal, à 32 millions d'euros. Voilà. Je connais très bien Marbella parce que, hop, attention. Voilà. Je connais très bien, voilà, Marbella parce que j'ai, à l'époque quand j'avais mes bureaux sur Mérignac, j'étais le spécialiste de location saisonnière et j'ai fait pendant 4 ans, pour les Marseillais rencontres, enfin pour les chaînes françaises. TV6, W9, enfin ces émissions un peu sordides, les célibataires, les Marseillais, en gros. Donc j'étais contacté par la société de production et je devais leur trouver des maisons en location dans ce secteur-là. Voilà. Sachant que le prix de ces maisons tournait à l'époque, je vous parle
en 2008, 2000, non, 2000, ben, quand il y a eu ces émissions, ça remonte déjà quelques années déjà, entre 35 à 40 000 euros la semaine. Donc, et ces soutiens de production bloquaient ces villas pendant 12 semaines. Faites vite le calcul. Donc, c'était des maisons exceptionnelles avec piscine intérieure, piscine extérieure. Bon, c'est la démesure, c'est le luxe à outrance. J'ai également loué des maisons pour des célèbres joueurs football français, notamment les Girondins et certains internationaux aussi. Donc, c'est pour ça que je connais très bien Marbella et tous les quartiers autour de Marbella. Et là aussi, ça fait partie, si vous répondez dans le formulaire, j'ai tout un dossier complet avec les particularités de Marbella, toutes les plages, toutes les anecdotes, et ainsi de suite. Ça pourra vous être utile également. Bon, ensuite, après Marbella, une ville qui est en plein essor, qui est très cotée, c'est Estepona, qui a son charme. Très demandé par la clientèle française. Par contre, c'est une ville qui commence à perdre son âme, à savoir que vous avez beaucoup plus d'étrangers que de locaux maintenant. Et là, nous arrivons. Bon, c'est une population Estepona. Bon, vieux village. Vous avez des rues très bien, très très fleuries. C'est avec des placettes espagnoles. Ils ont essayé de préserver tout ça. Bon, là, nous arrivons à 67 000 habitants. Là, c'est pareil, ce sont des villes qui triplent en été. Hein. D'ailleurs, ça pose un problème de logistique, de communication et de transport, de mobilité dans cette région. Je vais en parler 2 minutes par la suite. Je vous explique un peu ce qui est, tous les gros projets qui vont se faire. Donc là, nous arrivons à 150 euros du mètre carré. Voilà. Et il y a eu une augmentation, écoutez-moi bien, tellement qu'il y a de demandes. La demande est très très forte dans ce village, de 14% en un an. Voilà. Beaucoup d'appartements, de promoteurs qui ont fait des appartements très jolis, avec certaines atticots qui dépassent la barre des 400 000, 500 000 euros à peu près. Pourquoi ? Parce que ça répond à une clientèle très haut de gamme. Et qui fait le plaisir des gens qui là j'ai reçu deux clients qui ont vendu la Côte d'Azur et qui s'installent là-bas. Ils disent ces appartements sur la Côte d'Azur c'est encore 40 à 50% plus cher. Donc ils ont vendu un appartement sur la Côte d'Azur et ils en achètent trois sur Estepona, un pour eux et deux en location. Vous voyez là, sachant qu'on on va parler un petit peu de la fiscalité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France. Ensuite, vous avez un petit village qui a tout son charme, à l'intérieur des terres, mais où les prix commencent à flamber, c'est Casares. Petite population de 5700 habitants, un village vraiment beau, authentique, où les tarifs sont très raisonnables, à 2239 euros du mètre carré. Et là, il y a eu une petite augmentation de 3%. Mais ça ne va pas durer. C'est une station qui est en plein essor. Il y a des programmes qui sont en train de se construire. Je pense que l'année prochaine, c'est une station qui va doubler en population. Et il va y avoir énormément de demandes. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve à l'intérieur des terres, du côté de la Costa Occidentale, avec un très bon rapport qualité-prix. Alors plus de loin, plus on s'éloigne, on va vers Manilva, et on se rapproche du détroit de Gibraltar. Manilva Duquesa, là on a une petite population de 14 000 habitants également aussi, et on arrive à un prix compétitif à 2095 euros du mètre carré. Il y a une augmentation, une légère augmentation depuis l'année dernière de 5%. Là aussi, dans la documentation, je vous mettrai un lien avec les quartiers intéressants et là où il faut investir. Voilà, ça vous va bien pour le moment? Voilà, nous sommes déjà 19h56, nous sommes à 1h. Voilà.
Alors, attendez. Bon, je vais prendre un verre d'eau parce que. Est-ce que ça convient? Est-ce que tout ce que je vous dis vous intéresse? Bon, nous sommes toujours 47 personnes, mais tout à l'heure, j'ai vu que nous étions à 60 et ensuite je crois qu'il y a des problèmes de connexion, c'est pour ça que, oui, connexion lente, ouais, c'est pour ça. Ça va, super, nickel, nickel, voilà. Oh, il n'y a que 8 personnes qui ont aimé et 149 commentaires. Bon, mettez-moi sur le, sur le poste en dessous en commentaire les villes et les quartiers des régions que vous voulez que je développe. Sachant que, attention, soyez très large, par exemple Kayabura, El Faro, mais d'accord, mais c'est mettez-moi la ville, parce que vous avez parfois le même quartier, El Faro. Vous avez deux, trois villes en Espagne qui ont ce même quartier. Donc, quelle ville principale? Et ensuite le quartier. Commencez par la ville et ensuite le quartier. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'Espagne, enfin, je vais dire la Costa del Sol occidentale, présente en plein été, Almuñécar, non, là c'est Almuñécar, là c'est la Costa Tropical, là c'est direction Almeria, ça fera l'objet d'un prochain live. Il est plus facile de circuler Costa Oriental, la Jarquilla, c'est-à-dire, et Campello, non, Valérie, c'est la Costa Blanca, c'est en dessous d'Alicante, San Juan, non, c'est pas ça. Nerja, oui. Nerja. Nerja, tu vas pas trop aimer Patricia parce que c'est trop britannique. Et toi, je sais que tu aimes l'ambiance espagnole. Il vaut mieux peut-être aller du côté de Frigiliana ou du côté de Vélez. Aorina Grande. Oui, Aorina Grande, c'est du côté de Marbella, c'est la costa occidentale. Ouais. À côté de Benavís. C'est très chic, c'est vers l'intérieur des terres de Marbella. Donc, marquez-moi là, la ville plus le quartier qui vous intéresse. Et la distance maxi, que vous voulez, par exemple, tout ce qui est, il y a un petit village qui est intéressant aussi, du côté occidental, c'est Coín, Coín. Coín, qui est Benavís, Coín, tout ça, c'est les petits villages typiques espagnols qui sont très agréables vers l'intérieur des terres, l'intérieur d'Estepona. Oui, autour de Mijas, il y a bon, il y a la Cala Honda, il y a Cala de Mijas. Je vais en parler également. Alors, il faut savoir que vous avez plusieurs types de constructions dans ces secteurs-là. Vous avez les promoteurs. Il y a eu essentiellement Ogen, très bien aussi Ogen, comme Ister, par ouais. Cañada de Aceitunas, voilà. Très bien. Vous avez Vitoria, la Vitoria, oui, Rincón de la Vitoria, ça fait partie de Vélez, très bien, très hispanique par rapport à Estepona, par rapport à Estepona, Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos, Marbella. Alors, en deux, simplement, vous avez après Malaga, la Jarquilla. Vélez, Torre del Mar, Torrox, Nerja, ça fait partie de la Jarquilla. L'intérieur des terres, vous avez les chalets, vous avez les casas rurales, vous avez le petit village à l'intérieur, c'est Frigiliana, Competa, Sayalonga, tout ça c'est des villages magnifiques avec des parcours à visiter. Il y a l'arrière-pays est très 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 riche et on circule assez bien. Par contre, de l'autre côté, à partir de Malaga,
Torremolino, Medalmadena, Fuengirola, Estepona, on parle de faire des navettes en bateau. Pourquoi? Parce que le trafic routier est saturé en été. Voilà, il y a eu une augmentation de la clientèle énorme. Ce sont des villes entre où il y a énormément de touristes. Voilà, Estepona, Benalmadena, c'est comme Torremolinos, deux trois villes où il y a beaucoup plus d'étrangers que d'autochtones locaux espagnols. C'est en train d'arriver également sur Malaga. Les Malaga fortunés, l'intérieur des terres sur l'intérieur de Malaga, on va en parler aussi. Vous avez plusieurs quartiers résidentiels. Il y a le Centro, la Malagueta, el Tiatano, où ils ont fait le parc, là où il y a les universités, qui était un peu délaissé, qui est en plein essor en ce moment. Mais les étrangers, les anglo-saxons du Nord achètent au centre-ville, font lever les prix d'une manière vraiment incroyable. On arrive à 4, 5, 6 000 euros du mètre carré sur certains quartiers de Malaga. Voilà. Et au niveau locatif, le prix de la location à Malaga a doublé par rapport à l'année dernière. Je dis bien doublé. Voilà. Une simple une chambre en cohabitation, on arrive à entre 450 à 500 voire 600 euros par mois. C'est énorme. Là aussi, c'est tous ces chiffres, je les ai dans l'étude que j'ai faite sur un dossier que je vous remettrai. Voilà. Donc live. Tac. Alors, je regarde un peu. Cosa del Sol, voilà, Torremolinos, voilà. Bon, Malaga, on va faire un petit aparté sur Malaga. Alors, une des villes, ça a été la ville la plus demandée également. Il y a eu énormément de pubs sur. Oui, je vais voir les prix au mètre carré des villes. Merci. Mais vous aurez ça. Mais remplissez le formulaire et vous aurez le dossier avec toutes les villes et les quartiers avec. Idealista, c'est la oui, j'ai fait un lien là-dessus aussi. Il y en a deux, il y a Idealista et Fotocasa qui font il y a d'autres portails spécifiques aux surfaces que je consulte qui sont axés pour les professionnels. Alors, les meilleurs quartiers pour vivre à Malaga. Et question, où vivre à Malaga? Bon, c'est une ville bien sûr qui a été très demandée dernièrement. Voilà. Alors la plupart, les quartiers de Malaga les plus propices à la vie dépendront du style de vie, certes, mais aussi de votre budget. Voilà, ce qui est normal. Les meilleurs quartiers se trouvent entre la plage et le centre. Voilà. Alors, vous avez un quartier des artistes, certains connaissent. Je n'arrive pas à écrire sur ton lien. Non, il faut appuyer sur le lien et... Oui, logement d'hôte rentable. Là, par contre, il faut regarder les licences touristiques. Alors, il y a les quartiers, les principaux. Je vous parle des quartiers principaux de Malaga. Soho, comme son nom l'indique, ce quartier artistique. El Palo y el Pedregalejo. Le centre, la Teatino, la Malagueta y el Limonar. Voilà. Alors, Soho, c'est la réinvention de la ville de Malaga. Tout a été en rénovation. Le quartier, il est situé entre le port et la principale rue Alameda. Vous êtes simplement 15 minutes à pied du centre. C'est un peu le quartier le plus artistique. Plus de nombreux bâtiments, façades sont décorés de peintures réalisées par des artistes. Voilà, c'est magnifique. Il faut le voir, il y a beaucoup de street art.
Il y a également un skateboard, centre d'art contemporain et le fameux théâtre Alameda. Ensuite, vous avez le quartier El Palo y Pedregalejo. Ce sont deux quartiers où il est très facile d'envisager de vivre et encore avec des tarifs raisonnables. Les rues sont calmes, l'ambiance. Étrangers et locaux se mélangent. Beaucoup d'étudiants et de familles avec enfants. Voilà pourquoi, parce que vous avez, c'est le siège où il y a également d'écoles de langue. Voilà. C'était à l'époque un quartier de pêcheurs, donc beaucoup de petites maisons, encore des tarifs accessibles. Voilà. Et c'était là aussi où il y avait la résidence d'été de la bourgeoisie de Malaga au 19e siècle. Là, depuis, on trouve de nouveaux programmes qui ont été faits où s'installent des jeunes et des familles, et notamment les digital nomades de l'Europe entière. Voilà. Donc, ceux qui cherchent un endroit calme et se demandent pourquoi ils devraient vivre à Malaga peuvent trouver leur réponse à El Palo, au quartier Pedralejo. Voilà. Tout ceci, je l'ai sur un document que je vous remettrai, et avec un plan, avec un accès, avec des liens... très intéressant pour que vous puissiez consulter avec des photos, ainsi de suite. Ensuite, on a le centre. Le centre, bien sûr, les tarifs deviennent vraiment, vraiment élevés. Là aussi, vous aurez tous les prix. Là, on est proche de la plage grâce à un profond processus de transformation. Ça a été, voilà. Avec la fameuse rue Larios, que tout le monde, que la plupart des gens connaissent. Voilà. Et ensuite, il y a un quartier qui est en plein essor, voilà, où il y a encore des tarifs intéressants, mais ça ne va pas durer parce qu'il y a la nouvelle centre technique qui s'est implantée. C'est le Teatinos. Voilà, c'est merveilleux. Teatinos est idéal pour les étudiants ainsi que pour les jeunes familles. À proximité de l'université, et c'est un quartier qui est en plein développement. Donc, beaucoup de nouvelles constructions, logements. C'est un quartier plein de vie avec un grand nombre d'espaces verts et d'installations sportives. Quartier le plus moderne de la ville, c'est là où il y a l'hôpital universitaire et le fameux parc technologique d'Andalousie, où c'est la fameuse Silicon Valley du sud de l'Europe, de Malaga. J'ai vu également, il y a plus de 600 entreprises qui sont installées, dont plus de 60 de nationalités différentes. Ensuite, vous avez le quartier très connu par la plage, la Malagueta, le meilleur quartier où vivre dans la capitale, car il bénéficie de l'emplacement le plus privilégié. Voilà. Le seul inconvénient que je trouve, c'est que la plage, elle n'est pas de sable blanc, c'est du sable gris-noir, un peu, à la Malagueta. Voilà. PTA, Sergio, ¿qué quiere decir PTA? Precio, no sé qué. PTA, bueno. Quartier Malagueta, dont acte de la plage. Ensuite, vous avez un quartier qui est très correct aussi. C'est Malagueta, c'est le top du top. Ben oui, c'est ce que je veux te dire. Quartier le plus exclusif de la ville. Même s'il est vrai, voilà, mais il y a une offre très réduite en immobilier. Voilà. Par contre, ça reste quand même un des favoris de Malaga. Il y a un promoteur immobilier, un espagnol, bon, je ne veux pas le nommer, il est en train de réaliser des appartements à 7000 euros du mètre carré. Voilà. Le complexe n'est pas encore commencé, que tout est déjà prévendu. Enfin, c'est énorme. Ensuite, vous avez un quartier qui est un des meilleurs quartiers. C'est le El Limonar. El Limone, ça veut dire le verger des citrons. Oui, prix du mètre carré Malagueta à partir de 4000 euros. Minimum. 4000, 4005, 5000, 6000, 7000, 8000 si vous avez sur un attico. Voilà. De toute façon, vous aurez également Comaruga. Non, Comaruga, là, c'est la Costa Brava. Là, vous parlez de la Costa Dorada. Au nord de Tarragone. C'est carrément l'opposé. Limonar, bon, situé entre la Malagueta et Pedralejo, zone est, abrite des familles classe moyenne supérieure et supérieure. Il y a un grand nombre de nouvelles constructions, essentiellement des maisons individuelles avec jardin, piscine et vue sur mer.
Voilà, c'est un quartier, plus calme, c'est un peu toutes les cadres supérieurs de la ville, notamment de la Technovallée qui s'y installe. Voilà. Beaucoup d'étrangers, notamment scandinaves, qui s'y installent. Britanniques, norvégiens, quelques Français aussi. Voilà. Voilà, donc c'est Malaga. Bon, il faut dire aussi que Malaga est à la mode depuis quelques années. Destination préférée des soi-disant nomades numériques. Voilà. Donc il y a également beaucoup de motifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui incite les gens à acheter dans ce coin? C'est le climat, les excellentes connexions nationales et internationales, aéroport performant, une offre de sport, de loisirs, dynamique commerciale, culture et gastronomie. À l'heure actuelle, Malaga est une des meilleures villes européennes où vivre. Voilà, c'est une belle ville du sud de l'Espagne. Moi, je vous ferai un plaisir de vous accompagner. Voilà, j'ai sur place une sélection d'offres. Pourquoi? Parce que je travaille avec des correspondants locaux que j'ai triés et qui connaissent vraiment bien tous les petits quartiers. Voilà. Après, bien sûr, vous avez d'autres villes du côté de Estepona, Mijas, voilà, qui sont aux alentours. Voilà. Donc Malaga en plein essor, mais pour le budget de certains. Parce que c'est devenu, ça commence à être une ville avec un certain prix. Alors, voilà. On va parler d'une petite ville, enfin d'une ville qui est en plein essor aussi, du côté de pas loin de Marbella, Mijas, population 78 000 habitants. Voilà, vous avez. Vous le répète. Bonsoir, Kevin. Mijas Pueblo, petit village environ 5 km à l'intérieur des terres, où les tarifs sont assez raisonnables, mais on est à l'intérieur. Et Mijas Costa. Mijas Costa, vous avez quand même 12 km de côte. Paradis pour les golfeurs. Voilà. Au sein, bon, vous avez deux secteurs importants à Mijas. Vous avez Cala de Mijas et Cala Honda. Voilà. Alors, la Cala de Mijas, petite ville très agréable une offre de touristique assez importante. Voilà. Et juste après, vous avez Cala Honda. Cala Honda s'est développé également avec beaucoup de succès. Rien que dans le secteur entre Cala Honda et Mijas, vous avez à peu près une offre énorme de terrains de golf. Vous avez à peu près 10 parcours de golf. Voilà. Bon, vous avez également, si vous n'êtes pas fan de foot, vous avez. Je vous suis depuis Vélez Malaga. Très bien. On en a parlé tout à l'heure. C'est la Costa Oriental, ça. Ça fait partie de la Jarquia. Bon, vous avez également des terrains, bien sûr, des terrains de tennis, des gymnases, et énormément de possibilités pour faire du sport nautique. Bon, une offre très forte de gastronomique, ainsi de suite. Mais à mon avis, trop touristique. Cala de Mijas. Voilà. Par contre, ça vit toute l'année. Toutes ces villes sont aussi vivantes en été, en été qu'en hiver. Donc, très intéressant. Tout va bien pour le moment? Moi, j'essaye d'aller assez vite parce que j'ai fait un bon résumé concernant toutes ces villes de la Costa del Sol. N'hésitez pas à mettre les commentaires sur la région, sur le Poucol. Voilà, je vois Poucol. Mijas, quel est le meilleur quartier? Ben, Mijas, tout dépend. Tout dépend de votre style de vie. Si vous voulez le bord de mer, Cala de Mijas ou Cala Honda. Si vous voulez être plus tranquille, le fameux village Mijas Pueblo, à l'intérieur des terres. Tarif à Queen, oui, il faut compter dans les 2 800 à 3 000 euros, à peu près du mètre carré. Vous avez de très belles propriétés, c'est très coté aussi du côté de Queen. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans le secteur exclusif de Benavís, Marbella, voilà, direction vers l'Inde, comme si on allait vers Ronda. Bon, tout va bien. Là, j'ai toujours 43 personnes. J'en avais 50, c'est descendu un petit peu. Voilà.
Bon, Rincón de la Victoria, j'adore. Voilà, que pensez-vous? Alors, il faut savoir que, oui, que ce soit en replay, oui, ce sera enregistré sur la chaîne YouTube. Je vous incite à vous y abonner. Et également, je répondrai également à tous les commentaires qu'il y a sur le post. Et je mettrai des informations. Je compléterai également la documentation que j'ai faite. Sachant que là, là c'est simple. J'ai fait 3 dossiers. Il y en a pour une 50 pages à peu près. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai fait quand même assez vite. Je vous ai simplifié. Il y aura des liens dans la documentation. Vous avez des liens, des variables concernant les tarifs, concernant les prix au mètre carré. Ensuite, c'est toujours pareil. C'est au cas par cas, sachant que, par exemple, Mijas, vous avez des tarifs, tout ce qui est première ligne, c'est hors de prix. Mais bon, Rincón de la Victoria, oui, c'est très bien. Sergio, ben c'est pas très loin de chez toi. Il faut aller, ben c'est le premier village avant Torre del Mar. Et Torre del Mar qui commence à prendre de la valeur aussi. Voilà. Par contre, moi, j'ai un petit faible à Caleta de Vélez. Voilà. Du côté de ben, la grande ville intérieure. Pourquoi? Parce que on est entre autochtones, entre espagnols. Parce que je me désole un petit peu d'aller sur les costas, parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers que l'espagnol. Et moi, j'aime bien. Alors, la particularité sur cet été, bon, vous savez que moi, j'ai investi sur la Costa de la Luz. Pourquoi? Parce que je considère encore que c'est une côte authentique et les tarifs sont encore très excellents, mais ça va pas durer. J'ai rencontré cet été des Caleta de Vélez, oui, Vélez, village de pêcheurs. Oui. J'ai rencontré cet été des Malagueños, de justement Malagueños, qui ont vendu à Malaga pour s'installer du côté de Cadix. Un petit village, Midi Cedonia, voilà, à des tarifs très intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils se sentaient plus chez eux. Énormément de restaurants étrangers, énormément d'autochtones sur la plage quand ils y allaient. Ils avaient leurs collègues où ils pouvaient manger leur fameux pescado, los espetos, les sardines, les chiringuitos. On en voit encore, ça devient un cliché, mais il y en a de moins en moins. Donc il a vendu, il a quitté la région de Malaga pour aller dans la région de Cadix. C'est un signe. Bon, le coin de la Herradura, oui, ça c'est Salobreña, ça c'est là, on arrive vers le très joli coin aussi, un peu désert, un peu sec, je trouve. Là on s'approche de vers la Costa d'Almeria, vers Salobreña. Voilà. Ça fait partie, vous avez beaucoup de Granaino, c'est la plage des gens de Grenade. Voilà. Bon, il faut savoir que je connais l'Espagne depuis mes études d'archi et depuis ma naissance. Mon père était de Madrid, enfin un petit village de Cuenca, ma mère de Badajoz, Extremeña, double nationalité, française-espagnole, et j'ai parcouru l'Espagne de long en large, en travers, toutes les côtes, Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca, Costa del Sol, le nord, le sud, l'Andalousie, et bon, j'ai des biens un peu partout que je mets en location sur la Costa Brava, Costa Dorada et Costa Blanca du côté de Moreira, voilà, que certains connaissent. Au départ c'était très bien, mais là je trouve qu'il y a trop de touristes. Bon, excellent pour la location, et moi j'aime bien, comme je suis d'origine espagnole, j'aime bien avoir retrouvé mes racines, si on peut dire. Et donc, et pour moi, les racines authentiques, j'arrive à les trouver pour le moment encore dans la province de Cadix, ou Jaén, Granada, tout ça qui reste encore authentique, du côté de Jerez, dans ce triangle-là. Pour si certains veulent que je fasse un live là-dessus, ce sera possible aussi. Mais beaucoup, par contre, dans ces régions-là, impératif de bien parler espagnol et de connaître le dialecte andalous. Voilà. Alors que Costa del Sol, si vous êtes français, pas de problème d'intégration, beaucoup de clubs français, de belges, si vous parlez l'anglais
Excellent. Je conseille à toute la jeunesse française technophile, digital nomade, d'aller du côté de Malaga, justement. Pourquoi? Parce qu'avec la Silicon Valley qu'ils sont en train de faire, c'est top. Ça embauche beaucoup de Oracle, Apple, Amazon, Google, Facebook qui se sont installés. C'est énorme. Voilà. Chiclan de la Frontera, oui, c'est très bien. Par contre, c'est un peu mort l'hiver. Voilà. Et par contre, très bon festival de musique en plein été. Voilà. Allez, très belle plage de sable fin. J'ai quelques amis qui habitent là-bas. Voilà, Chiclana, Conil, La Fontella. Bon, là, c'est juste après Cadix, en allant vers entre Cadix et Cadix, Conil de la Frontera et Tarifa. Voilà, c'est la Costa de la Luz, où là, j'appelle ça, c'est les Landes espagnoles. Que des plages de sable fin avec des magnifiques couchers de soleil. On pourra en faire, on pourra en parler pour un prochain live. Bon, ensuite, je vais vous parler, dernière partie, pour mes accompagnements. Voilà, est-ce que ça intéresse des personnes? Sinon, vous me le dites, hein? Oui, on retrouve les racines, c'est vrai, Valérie. Il y a énormément de Français. Moins cher que l'authentique, oui. Ben oui, parce que c'est l'Andalousie, la Costa del Sol fait partie des destinations les plus demandées, pas aussi bien français, aussi bien francophone, mais ne pas oublier, c'est l'Europe. L'Europe entière demande l'Andalousie. Au départ, vous aviez, bon, les leaders, c'est quand même les Britanniques. Bon, depuis le Brexit, ils sont en plus faible nombre, mais il y a énormément de clientèle étrangère. Du côté de Estepona, Marbella, Malaga, Mijas, énormément de Scandinaves, Norvégiens, Suédois, Finlandais, Danois. Et bien sûr, avec un budget énorme, dont laisse à la traîne les Français. Bon, ensuite, on n'a pas trop parlé, mais vous avez une petite ville phare où c'est le très haut de gamme, les grandes familles françaises qui s'y installent aussi. C'est Sotogrande. Ça fait partie, par contre, de Cadix, province de Cadix. Mais elle est située, c'est là où il y a la fameuse compétition de golf, le golf de Valderrama, le site est vraiment, c'est toute l'aristocratie. Vous avez des terrains de polo, c'est top. Soto Grande. Là, vous avez des maisons à partir d'un million, 1,5 million, 2 millions d'euros. Bon, j'ai eu deux touches, deux clients qui m'ont appelé pour ce secteur-là. Mais pas plus. Voilà, il faudrait que je m'inscrive sur un autre réseau social. On m'a conseillé sur LinkedIn où je pourrais toucher cette clientèle-là. Voilà. Donc, ça vous convient pour le moment? Donc, je vais parler de mes accompagnants, accompagnement formule. Alors, j'ai trois formules, de la plus simple à notre entretien. J'ai envoyé un message, oui, d'accord. Je répondrai par la suite à tous les posts, à tous les messages sur le poste. Permettez-moi d'être focus. Voilà. 1 million, oui. 1 million d'euros, oui, ça c'est sûr. Bon, 1 million d'euros, c'est une somme. Oui et non. Et ça peut être un acompte pour certaines villas en Espagne, du côté de Marbella. Voilà. Je vais vous choquer quelques personnes, mais bon. Il faut savoir qu'il y a un programme qui ancien fief de Franco qui l'a cédé, Soto Grande. Oui, les propriétés, bon, là, c'est des terrains de 1500, 2000, 3000 mètres carrés, maison plus la construction, ça se négocie en ce moment entre 2 millions et demi, 3 millions d'euros, à peu près. Voilà. C'est un peu exclusif avec un système de gardien, enfin c'est un peu c'est vraiment de l'exclusif si on peut dire. Vous avez quelques lotissements comme ça aussi sur Marbella, Carmojan, vous avez aussi
celle qui est la plus sur Marbella, il y en a un qui est magnifique, hein, il faut montrer Patte Blanche aussi, sur les hauteurs de Marbella, c'est Sahara, ça, je l'ai visité justement quand je louais les maisons de luxe pour les séries de télévisées. Et les propriétaires étaient d'accord, mais il faut savoir qu'il y a des propriétaires exclusifs dans ce lotissement qui n'autorisent pas qu'il y ait des émissions de télé-réalité qui se diffusent dans ce coin. Donc j'ai été vraiment pas mis à la porte un peu, mais bon, c'était comme ça. Donc, je reviens sur mes accompagnements. Mes accompagnements, j'ai trois formules. La formule 1, c'est-à-dire c'est vous qui visitez, qui contactez les agences. Vous visitez et moi je fais derrière les vérifications. Je vous simplifie au maximum, hein. Je vous envoie une checklist qui vous permet de... Mais attendez, je vais vous dire ça. Vous allez voir, ça va aller très vite. Papeles, papeles. Alors. Tac, tac, tac. Voilà. Formule 3, formule 2. Voilà. Ça ira plus vite. Bueno. Plusieurs solutions à vous proposer. La plus simple, la plus économique, la plus complète et la plus longue. Voilà. La formule 1, numéro 1, le pack sérénité. Lo hace tú mismo, pero aquí estoy yo para guiarte. C'est-à-dire, vous le faites vous-même, mais je suis là pour vous guider. Vous cherchez, vous contactez, vous visitez, vous comparez vous-même et trouvez le bien. Vous contactez les annonces. Vous contactez vous répondez aux annonces, vous contactez les agences et particuliers, visitez sur place. À votre disposition, je vous mets des documents déjà traduits, dont vous aurez qu'à faire un copier-coller, ça ira très vite. Des modèles à envoyer aux annonceurs, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Je vous envoie également une checklist hyper complet avec plus de 80 points à vérifier par vous-même, afin de ne rien oublier. Ainsi qu'un listing de pièces à demander au contact sur place, agence ou bien propriétaire, pour pouvoir faire les vérifications. Les agences, quand elles vont voir ce checklist, elles vont prendre peur, croyez-moi. Des réceptions de ces pièces, je m'occupe de tout vérifier, aussi bien juridique, urbanistique, construction, les éléments fiscaux et touristiques et légaux du logement. Donc ensuite, moi, je me mets en contact avec les bureaux administratifs, locaux, cadastre, chambre de registre, chambre d'urbanisme, les mairies. Et je regarde le côté administratif et fiscal, bureau des impôts, Hacienda, SUMA, et ainsi que la mairie, l'ayuntamiento. Et je prends contact également syndic des copropriétés. Pour ceci, j'ai un délai de 2 à 8 jours, dès que je suis en possession des documents. Ça va très vite. Le plus souvent, mes honoraires sont déjà largement couverts par le temps économisé pour vous aider pour votre recherche. Il y a beaucoup de personnes qui font deux, trois allers-retours, plus le temps qu'elles y consacrent, les hébergements, les vérifications, les contacts téléphoniques où l'agent immobilier ne répond pas. Parce que pourquoi? Il faut connaître, il faut savoir. Ils sont plus sur WhatsApp que par téléphone. Il y a des horaires. Vous êtes en Espagne, vous n'êtes pas en France. Voilà. Voilà. Alors non, Julie, oui, moi je suis en Espagne et en France. Là pour moi, je suis en France pour 2 semaines, mais je repars en Espagne. Sinon, je passe plus de 100. Enfin, j'ai la double résidence, si on peut dire. Mais pour le moment, j'ai la résidence fiscale en France. Mais l'année prochaine, je l'aurai en Espagne. Voilà, que tout soit clair. Donc, je m'occupe. Voilà. Ensuite, j'ai la formule 2. C'est la même, idem, mais je vous accompagne au notaire.
Voilà, tú haces lo mismo, pero aquí estoy yo para guiarte sobre el proceso hasta la cita con el notario local. Voilà, vous le faites vous-même, mais je suis là pour vous guider et vous accompagner jusqu'au notaire. Pourquoi? Parce que je vous fais la traduction. Je détaille, j'analyse finement le contrat final ainsi que le contrat au départ des arts, contrat des arts confirmatorio. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Sachant qu'il y a plusieurs contrats. Vous avez le contrat de réserve et le contrat d'art, le contrat pour bloquer d'abord, c'est le contrat de réservation. Ensuite, le compromis de vente, le contrat de l'ERAS, confirmatoire. Voilà. Où toutes les clauses sont quand même importantes. Donc, je fais pour la Formule 2 le même travail, avec les mêmes vérifications pour ma part. Idem pour les biens. Déjà recherché, je vous aide aussi à rechercher, je vous envoie un listing de sites à consulter, à part Idealista, Photocasa, j'en ai d'autres aussi à vous proposer. Et là, c'est le pack Sérénité direct VIP Formule 2. La même chose aussi, délai 2 à 8 jours. Alors, c'est une formule qui marche très bien, très demandée par mes clients, avec un résultat, une satisfaction à 100%. Je dis bien 100%. Aucun de mes clients ne s'est plaint pour le moment. Au contraire, que des résultats positifs. Voilà. Donc, je vous accompagne également au final, comme j'ai dit, avec vérification des termes et du contrat final de l'acte notarié, ce qu'on appelle l'escritura publica. Voilà. Et la formule 3, c'est la formule VIP Zen, accompagnement total, où là, je joue le rôle un peu de chasseur immobilier. En fonction de vos critères, de votre cahier des charges, je fais les recherches, vérifications. Là, c'est un peu plus long, c'est pour ça que c'est la plus chère. C'est un délai de 2 à 12 semaines, depuis la recherche du bien, en coordination avec tout mon réseau local de professionnels. Je vérifie toutes les étapes du processus d'achat. Recherche de logement, répondant à vos critères, cahier des charges, en fonction du but de votre achat. Est-ce que c'est pour y habiter? Est-ce que c'est pour y habiter à l'année, saisonnier? Est-ce que c'est pour faire simplement un pied-à-terre? Est-ce que c'est pour faire du locatif? Est-ce que c'est pour votre retraite? Donc très important, c'est pas toujours les mêmes biens qui sont intéressants. Regardez, voilà. Alors pour affiner et suivre le projet, aussi bien dans les formules 1, 2 et 3, j'utilise avec vous le téléphone, la messagerie, email, SMS, WhatsApp et également visiophone par WhatsApp et certains m'ont demandé par Zoom aussi. Voilà, donc j'affine tout ça. Voilà. D'autre part, j'ai également sur place pour toutes ces formules, je vous donne accès à tout mon réseau, aussi bien d'agences immobilières, de professionnels sur place, notaires et courtiers en prêt immobilier pour l'achat en Espagne, aussi bien en France qu'en Espagne. J'ai la chance d'avoir un partenaire qui est comme moi, double nationalité, enfin il est beaucoup plus espagnol que français, si on peut dire. Et qui est basé en France aussi et qui fait les prêts pour les Français qui achètent en Espagne. Donc voilà, agence immobilière sélectionnée par moi sur place. Voilà, elles répondent à certains critères. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé toutes les agences pirates, croyez-moi. Oui, je ne suis pas une agence immobilière, attention. J'ai des biens, je pourrais avoir tous les biens espagnols de toutes les agences. C'est certes. Mais ça m'intéresse pas. Je préfère travailler avec certaines agences avec qui je suis en bon rapport et où j'ai un suivi derrière. Donc je négocie les prix, je négocie le sérieux de l'agence, je regarde s'il y a une assurance, s'il y a une responsabilité civile, si tout est en ordre. Et généralement, ce sont toutes des agences immobilières avec qui je travaille qui ont le titre API, Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Voilà. Et ce sont, vous l'avez compris, souvent des agences espagnoles. Je ne travaille avec aucune agence française. Je dis bien, au niveau local, je ne travaille avec aucune agence immobilière française. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas compétentes. Bon, certaines le sont, donc, par contre, elles rentrent des biens, certes, donc je regarde la fiche du bien. Et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a rentré le bien. Là aussi, faut savoir que certains biens sont diffusés par plusieurs agences à différents tarifs. Donc l'idéal, c'est de trouver l'original, voire même mieux, le propriétaire qui est vraiment propriétaire du bien en question, aussi bien appartement que maison.
Voilà. Alors, j'ai fait un prix promotionnel, vous verrez, pour Formule 1, la Formule 1, et j'ai mis ce qu'on appelle parce que suite à ce problème, à ces malversations, à ces manigances que j'ai vues sur ces derniers temps, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose un peu pour aider les gens à s'en sortir. J'ai lancé une formule qui va faire parler d'elle aussi, à un prix vraiment compétitif, vous verrez. Voilà. Oui, les taux en France, c'est dément. Oui, c'est du 4%. Ouais, mais comme en Espagne. Les prix ont monté aussi. Donc là, c'est pareil. Voilà. Alors, attendez. Donc, pour ceux qui désirent dans le formulaire, enfin, ou même dans le poste, vous me dites accompagnement, accompagnement, vous mettez accompagnement et vous donnez deux ou trois lignes, voir un peu ce qui vous intéresse, ainsi de suite. Voilà. Sachant que je suis encore là pour 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Je pars entre-temps sur le Pays Basque. Je vais voir un client, un autre client en Dordogne, un autre client à Bilbao. Voilà, un Français qui est à Bilbao et qui veut acheter en Espagne, du côté de sur la Costa Blanca. Vous vous rendez compte? Voilà. Oui, Valérie, c'est vrai. Mais pour vos amis, vous avez vos parents aussi qui étaient sur la Costa de la Luz. J'avais trouvé de superbes appartements à côté de Cadix. Voilà, bon, on en reparlera par la suite. Donc, n'hésitez pas, marquez voilà, 279 commentaires. Ouh là là, je vais avoir du travail. Bon, sachez que cette vidéo va être enregistrée sur ma chaîne YouTube. Voilà, si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me les transmettre. Je vais vous mettre en lien à nouveau le formulaire pour que vous voyez. Voilà. Regardez au formulaire pour bien acheter en Espagne, ça aussi. Alors c'est vrai que j'ai automatisé certaines choses pour aller plus vite. Comme pour le guide, j'ai également créé un petit formulaire pour aller plus vite. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça me permet de scanner les adresses e-mail et ça va très vite. Voilà. Voilà. Alors, guide complet, donc ceux qui répondront au formulaire auront le guide complet de tout ce que je viens de vous annoncer avec le détail station par station, ainsi que la consultation téléphonique gratuite pendant 30 minutes. Et je vais mettre un calendrier style Calendly pour que certains connaissent, pour justement fixer des plages horaires pour pas qu'il y ait d'encombre. Alors, attendez. Voilà. Bon, par contre, la technique, là.